Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 8h23 et je vais vous raconter mon petit week-end. J'ai déjà fait mes soins et tout ça pour aller filmer, mais je dois attendre que Enzo parte. Il a un nouvel entretien d'embauche aujourd'hui. Donc, voilà. On croise les doigts pour Georges, pour Enzo. Et après, je vous montrerai mon fond de Noël. Voilà, je vais enfin vous le dévoiler. Je pense que je vous le dévoilerai également en live, donc que vous aurez eu hier. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, tout simplement. Alors, pour mon petit week-end, vendredi, du coup, j'ai mis mon fond de Noël. Voilà, j'avais dit que je le ferais en vlog avec vous aujourd'hui. Ou en live avec vous samedi et finalement j'ai pas tenu, je l'ai fait. Il fallait que je prenne, faut que je prenne de l'avance, enfin que je garde mon avance du moins pour mes vidéos. Et je suis bloquée avec mes vidéos de novembre. Donc autant faire les vidéos de décembre pour que je puisse être à jour hein, et pas prendre de retard. Le samedi, je me suis préparée pour la soirée du boulot. Je vous ai filmé le Get Ready With Me en version chit-chat, puisqu'avec ma grande gueule, de toute façon, ça se finit toujours en chit-chat, ce genre de choses. Voilà, donc je vous la remets en barre d'infos. Et c'est tout. Et donc, le samedi, on a été à la soirée. Alors, la star, on va commencer par ce qui vous intéresse le plus, je pense. C'était Tis Barrow. Vous connaissez? Moi non plus. voilà, donc tout un pataquès pour ça, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. En fait, très belle voix, la fille, voilà, on ne peut pas dire le contraire. C'est une chanteuse, auteure, interprète qui a gagné The Voice Belgique. Donc, je ne regarde pas The Voice tout court, alors encore moins la Belgique, et qui fait apparemment partie du jury cette année, si j'ai bien compris. Très belle voix, peu genre Adele, Amy Winehouse, comme ça, très jazzy. Très jolie voix, mais alors elle est arrivée, elle s'est tapée au piano, on l'a pas annoncé, elle s'est tapée là, pas un bonjour, rien. Elle a chanté 5-6 chansons, elle a chanté une demi-heure, et puis elle est partie. Elle a pris son petit bouquet de fleurs, elle a fait signe merci, 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 et puis elle est partie. Donc tout ça pour ça, alors qu'il y en a qui pensaient à Stromae ou Soprano ou Lara Fabian, enfin même si c'était des artistes belges, puisque c'est une artiste belge, elle est née à Bruxelles, donc voilà, il y avait moyen de trouver autre chose que ça, quoi. À fois. Ça a un peu plombé l'ambiance aussi, hein, genre quelqu'un qui s'installe au piano, ça a plombé l'ambiance à ce moment-là, voilà. Bref. Donc, je vous ai filmé les préparatifs. Après, on est parti. Donc, on a eu 2h30 de bus. La rigolade dans le bus, c'était long, mais agréable. Tout le monde était ambiancé, donc c'était bien. Sans compter qu'ils avaient planqué des shops hein, pour pouvoir boire dans le bus. Déjà, on est belge ou on ne l'est pas. alors, il y avait deux arrêts. Il y avait où nous, on nous prenait, et un autre un peu plus loin. À notre arrêt, il manquait déjà une personne qui n'est pas arrivée. On ne sait toujours pas qui c'était et si elle était présente ou pas, finalement. Et au deuxième arrêt, il devait être à 3 et il n'y avait qu'une personne. Voilà. Donc, c'est sympa, les gens qui réservent le bus, parce que du coup, ça a décalé tout. On est arrivé un quart d'heure en retard, puisqu'on a dû attendre, voir si les gens étaient en retard ou s'ils venaient pas, tout simplement. Donc, c'est pas cool. Je trouve qu'une fois qu'on s'engage sur quelque chose, on s'y tient, ou alors à la limite, on essaye vraiment de prévenir, dire non, finalement on ne vient pas, ou finalement on vient par nos propres moyens, je sais pas quoi, mais il y a moyen de prévenir les gens quand même. Le chauffeur a attendu pour rien. Très beau bus, c'était un sale Lens. D'ailleurs, on a eu des petits cadeaux dans le bus au retour, des petites lingettes rafraîchissantes. Merveilleux, avec le prix des boissons derrière. Voilà, très intéressant. Ça ira dans les ventes Vinted, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse. Mais c'était un très beau bus, il y avait le café offert. Le chauffeur n'a pas voulu m'en servir un. Hein. Voilà, il n'a pas compris que j'étais une queen. On est arrivé sur place. Donc il fallait, si vous m'avez suivi sur Insta, je vous ai partagé un maximum. Il fallait le Covid check, hein, le check pass, truc de vaccination, voilà.
Ou alors, vous deviez faire un autotest avant de rentrer dans le bus, déjà, de toute façon, si vous n'étiez pas vacciné. Donc, on n'avait pas besoin du masque, aussi bien dans le bus que sur place, mais c'était contrôlé. Il y avait du désinfectant partout et tout ça. Franchement, c'était très bien organisé. Très bien organisé. Maintenant, c'est comme on disait avec Chéri, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on n'a pas de Covid, quoi. Donc là, je pense qu'il va y avoir une épidémie de Covid après à l'entreprise, hein. Voilà. Peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup d'absents. Parce que forcément, il y avait 500 personnes, je crois. On était des tables de 12. Ouais, facilement 500 personnes, voire 700. Donc sur les 700, il y en avait bien au moins un qui avait le Covid. Hein, voilà. En espérant que ce soit quelqu'un qui était très loin de nous, à l'autre bout de la salle. Enfin, de la salle. C'était pas une salle, c'était l'entrepôt. Ils ont transformé l'entrepôt. J'essaye de vous inclure des petites vidéos. On voit pas très bien puisqu'il faisait très sombre. Alors on a eu le speech, hein, bien évidemment. Voilà, le directeur a parlé, comme d'hab. Il a balancé le chiffre d'affaires, figurez-vous, de cette année, 1 250 000 euros. Il était content. Moi, j'ai dit à 7, lundi, tu vas au bureau, tu vas demander une augmentation. À mon avis, il y en a beaucoup qui vont lui demander une augmentation. Bon, voilà, c'est une entreprise qui marche, hein, c'est bien, tant mieux, mais ils sont un peu radins sur les augmentations, quoi. Donc, il y a eu un spectacle son et lumière. Pour présenter l'entreprise, hein, puisque c'était les 50 ans. Donc, ils ont présenté les 50 années, les fondateurs et tout ça, tout ça. D'ailleurs, il y avait la dernière fondatrice, enfin, non, c'était la femme, la veuve du fondateur qui était encore présente. Elle avait 92 ans, je crois. Et elle était là à la soirée, c'était beau. Donc, ils lui ont offert des fleurs et tout. Ensuite, on a eu un superbe son et lumière, mais c'était réparti sur toute la soirée en fait. Hein, mais c'était très beau, très bien géré. Ça faisait toute la salle, enfin la salle, l'entrepôt quoi. Ça faisait tout. C'était vraiment, c'était franchement, c'était génial. C'était ça le côté repas en immersion en fait, parce qu'on n'était pas dans le noir hein, pour manger. Donc, il y a eu l'apéro debout au centre de la pièce. Après, on a dû attendre, avec un ou deux effets comme ça. Après, on a dû attendre qu'ils installent les tables au centre, parce que les vieux s'étaient précipités sur les tables qui étaient déjà installées. Et ils ont réinstallé vite fait les tables. C'était très bien organisé, ça a été très vite. En une demi-heure, toutes les autres tables étaient installées. Voilà. Ensuite, le repas. Donc, ils passaient avec les plateaux, avec des petits toasts, des pilons de poulet, des trucs farcis, enfin, un petit apéro dînatoire. Sauf qu'il y avait tellement de monde, bah, que le temps que ça passe, les premières personnes, on arrivait, le plateau était vide. Hein. Champagne à l'arrivée, bien évidemment, jus d'orange ou eau plate, voilà. Ensuite, on s'est mis assis et ils sont venus nous demander si on voulait un apéro. Donc, moi, ils n'ont pas voulu me faire un café. Le café, c'était un bar, des machines en fait à café que vous deviez vous servir vous-même, mais c'était qu'après le repas. Vous ne pouviez pas y aller avant. Ça coûtait rien d'allumer la machine pour que je puisse me faire des cafés tout au long de la soirée, quoi. Voilà. Donc, j'ai repris un jus d'orange, mais après l'acidité, puisque j'ai bu deux jus d'orange. L'acidité, je ne vous raconte même pas. Après le repas, c'était des buffets, mais alors il y avait c'était le même repas pour tout le monde. Hein. Il y avait trois sortes de repas. Il y avait un jambon cuit en croûte, de la biche et un wok chinois, voilà, une espèce de poulet mariné avec du riz cantonais et des salades, des petits pots de salade comme ça que vous pouviez vous servir et mettre votre vinaigrette vous-même. Mais il y avait plein de buffets en fait. Ils avaient vraiment fait par table, par section de 5-6 tables. Vous aviez votre buffet attitré pour pas que ce soit trop long à attendre. C'était franchement bien organisé. Par contre, la bouffe n'était pas top. Hein. Moi, j'ai pris le wok, le poulet mariné, là, avec juste de la salade pour pas trop manger non plus. Parce que je me suis dit, il faut pas que je sois malade après, parce que sinon, on a l'air con-con.
Chéri, qui est hyper difficile, il mange pas de jambon et il mange pas de gibier. Donc la biche, il a pas voulu non plus. Donc il a pris aussi le wok avec le riz cantonais. Le riz était dégueulasse. Hein. J'ai goûté, le riz était dégueulasse. En plus, ils avaient mis des crevettes dedans et Chéri, ne mange pas de poisson et de fruits de mer. Donc il n'a pas mangé grand-chose. Les petits pains étaient bons avec le beurre. Voilà. Le vin apparemment avait l'air bon aussi, moi je ne sais pas, je n'en bois pas, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et le dessert, je vais essayer de repêcher la story que je vous ai fait. C'était super beau et c'était super bon. C'était une mousse de framboise avec un fondant, un cœur au chocolat à l'intérieur, un cœur croquant au chocolat, avec un coulis de mangue. Alors moi j'aime pas la mangue, donc j'ai évité la mangue, avec un petit truc en chocolat et une petite tuile. Gâteau, je sais pas quoi là. Franchement, le dessert était super bon. Alors, chéri, on se retourne pour. On reçoit le dessert, il commence à manger 2-3, il adorait, hein, 2-3 cuillères, puis il se retourne pour écouter le discours du directeur qui remerciait ceux qui étaient là depuis plus de 20 ans. Ils ont chacun eu un chèque de 500 balles, hein, voilà. Il se retourne pour remanger une cuillère de son truc, putain. Il y a une fille qui était passée débarrassée et le temps que je vois qu'elle avait pris son assiette, elle était déjà loin quoi. Donc, mais elle a même pas demandé. Le gâteau était encore dans l'assiette, donc elle a même pas demandé si c'était terminé ou pas. Non, elle débarrasse l'assiette. C'est 10h30, on dit putain, c'était le seul truc qui était bon quoi. Et, désolé. Donc, franchement, c'était une super soirée. Après, l'ambiance était un peu plombée. Bon, il y a un gars qui faisait un sketch là, qui mimait plutôt la narration de l'histoire. Il servait absolument à rien. Personne ne le regardait puisqu'on regardait les sons et lumières. Mais c'était très beau. Franchement, très beau à voir. Ensuite, on a eu une chanteuse d'opéra qui a fait une chanson. Voilà. C'était très beau à écouter, hein. C'est pas le genre de truc incroyable, mais c'était très beau à écouter. Puis il y a donc eu Tissaro qui est venu chanter, que ça a plombé l'ambiance, quelque chose de phénoménal. Ensuite, ils ont enlevé l'état pour faire soirée dansante. Donc ils ont mis 2-3 musiques, genre Magic System, des trucs comme ça, des trucs qui bougent. Et après, je dis à cette, oh allez, on va danser, on va danser. Et après, ils ont enchaîné sur du Dalida, enfin toutes des chansons que j'aime pas danser, très vieux, très pas top quoi. Mais comme on avait le bus qui venait nous chercher soit à minuit, soit à 2h, bah, on n'a pas pu vraiment s'ambiancer. Donc voilà, c'était un peu. La fin de soirée était pas top quoi. Moi j'espérais danser et j'ai pas dansé finalement. Donc voilà. Mais on a passé une bonne soirée quand même. Il y avait un photomaton aussi disponible, donc on pouvait aller faire nos photos comme on voulait et les faire imprimer sur place. Donc on en a fait une avec le directeur, mais je ne vous montre pas. Et deux collègues, deux, trois collègues à Sed, enfin chérie, je vous les montre pas parce que voilà, il n'y a pas que nous dessus. Mais du coup, on a fait deux photos de couple. Alors, c'était la fin de soirée avant qu'on nous dise qu'il y avait le photomaton, hein, donc vous ne faites pas attention à nos têtes. Hein. Donc on en a fait deux. Voilà, nous là tous les deux. C'est vraiment chouette. Et on a fait celle-ci que j'ai fait en double pour donner une à ma mère parce qu'elle se plaint toujours qu'elle n'a pas de photo de nous depuis que j'ai perdu du poids. Donc elle sera contente. Je trouvais ça vraiment sympa, ce petit photomaton. Là, bon, il y avait la file hein, pour le faire. En fin de soirée, il y avait un peu moins de monde. Donc c'est pour ça qu'on a pu en faire plusieurs parce qu'on repassait en fait. Mais c'était sympa. Ensuite, on a eu le cadeau en repartant. Ah oui, je ne vous ai pas dit en arrivant sur place. Donc, on devait présenter le Covid check là. Hein, et moi, il était dans mon téléphone et je dis, putain, j'ai oublié mon téléphone dans le bus. Mais alors, arrivé, ils avaient enfin compris qu'il y avait une queen qui arrivait chez eux. Portier et tout, qui nous saluait, habillé en costume. Le garde. Hein, Ced, il court pour aller rechercher mon téléphone dans le bus. Et le garde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il explique que j'avais oublié mon téléphone dans le bus. Il a couru. Le mec, il dit, attendez, bougez pas, j'y vais. Il a couru pour aller chercher mon téléphone dans le bus, quoi, qui était garé 1 km plus loin. Oh, j'ai ça, au moins, ils ont enfin compris qui j'étais, quoi. Hein? Il était temps. Et en repartant, donc j'ai encore remercié le monsieur plusieurs fois parce que c'était vraiment adorable de sa part. On a reçu une bougie spéciale pour les 50 ans. C'est les 50 ans, donc c'est Trendy Food. Hein, on a travaillé chez Trendy Food.
Et on a reçu une bougie. Donc il y avait le ruban autour de la bougie. Elle est chipotée. Ah putain, c'est super lourd. Elle est très jolie. Maintenant, je disais, c'est dommage que c'est gravé à l'intérieur, parce que sinon, ça aurait pu faire un très beau cadeau de Noël. Parce qu'on en a eu une chacun. C'était pas une par couple, c'était une par personne. Mais c'est une à trois mèches et elle est noire et elle sent bon. Elle sent bon, donc écoutez, on les fera brûler. Hein, de toute façon, en hiver, on utilise beaucoup de bougies ici. Parce qu'aussi bien monsieur que moi, on est accro aux flammes des bougies en hiver. En été, printemps, non, mais automne-hiver, oui, on met des bougies. Voilà. Et ils avaient une super déco partout dans le truc. Et je vois un monsieur à la fin de soirée commencer. Alors, il y avait aussi, quand on est arrivé, il y avait un chapiteau chauffé. Et avec des tables hautes, des manches debout. Hein, et on pouvait fumer là. On n'avait pas besoin de sortir pour fumer. Ça, c'est génial. On n'était pas au froid et sous la pluie. Parce que bien évidemment, il pleuvait. Hein. Maintenant, je vais encore dire qu'à chaque fois que je sors de chez moi, il pleut. C'est pas faux. Mais il y avait des super décos. Ils avaient fait des compositions florales un peu, mais. Je sais pas comment expliquer, mais c'était très beau. Et j'avais craqué sur des espèces de plumeaux. Moi, j'appelle ça des plumettes. Voilà. Qu'il y avait dans les vases. Et du coup, quand j'ai vu le monsieur commencer à ranger la déco, j'ai été le trouver. Et je dis excusez-moi, ça vous dérange si je pique deux petites branches là? Parce que j'ai trouvé ça très beau. Et j'étais en train de les regarder en me disant dans mon fond vidéo, ça ferait trop beau. Et du coup, il me dit bah, venez, avant de partir, vous venez, je vous en donnerai deux. Pour pas que tout le monde commence à nous piquer la déco, quoi. Je vous les montre, elles sont très belles. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique, ils sont violets. Vous ne voyez pas bien, mais si, là, vous voyez, je crois. C'est superbement beau. Puis je pourrais même m'en servir une fois pour faire une déco de tête ou quoi, mais... Voilà. Là, je pense que je vais m'en servir pour faire une photo de la palette d'Indy. Parce que comme ça, je pense que ça sera dans les teintes bleues. Hein, on attend le reveal ce soir, un petit bout. Et puis après, je le mettrai en fond pour l'hiver, je pense. Mais bon, il ira en automne, en été. J'ai trouvé ça tellement beau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment craqué dessus. Et voilà, le monsieur, c'était adorable. Il me les a donnés. Donc voilà. Voilà pour mon petit week-end. Ah oui, alors le dimanche, du coup, bah, on est rentré, on a pris le bus à 2h pour repartir. Donc, on a eu 2h de bus retour. Hein, et on est rentré vers 4h30. J'ai été me coucher vers 5h parce que je suis rentré, je me suis fait un café. Hein, voilà, un bon café. Parce que dans le bus, il y avait du café. Il était super bon, c'était Nespresso. Mais alors, à la soirée, il était dégueulasse. Donc, je suis rentrée, je me suis démaquillée en buvant un café. Voilà. Et puis, j'étais me coucher à 5h. Le chien m'a réveillé à 10h30 pour manger, bien évidemment. Et du coup, je me suis dit, oh, je vais aller me refaire une petite sieste. J'avais dit, comme je m'étais levée un peu plus tard que d'habitude, je n'irai pas à la sieste pour savoir redormir le soir, vu que je devais me lever pour l'école ce matin. Et à 1h30, je vais chercher. Je dis, oh, je vais me coucher, je suis fatiguée, j'ai mal la tête. Parce que moi, dès que je suis fatiguée, j'attrape mal la tête, ça c'est d'office. Je me suis levée à 6h, les gars. Mais j'ai dormi tout l'après-midi, quoi. Alors, hier soir, évidemment, pour aller me coucher, compliqué, hein. J'ai été me coucher à 1h30. Donc, ce matin, le réveil était compliqué aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je traîne de trop pour... D'ailleurs, là, je vais aller réveiller Enzo, parce qu'il est 9h15, et je crois que mon cousin va venir le chercher dans pas longtemps. Donc, je vais vous laisser là. Voilà. De toute façon, j'ai fait la sieste. J'ai fait mon montage de la vidéo de lundi. J'ai fait la sieste. Donc là, je vais vous laisser là, parce que vous avez déjà 20 minutes que je blablate, hein, comme d'hab. Je vais aller réveiller Enzo, j'irai faire ma vidéo et je vous montre le fond quand il est parti à son entretien d'embauche. Voilà. Alors, il est 8h37. Je suis crevette. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vais tourner un make-up pour une palette 3 looks de décembre et une vidéo de décembre. Je reçois également mon colis Nox pour le Black Friday. Donc, on le déballera ensemble, mais il faudra que je vous oublie pas de vous le rappeler pour le prochain vlog, puisque la promo, enfin le code est de 25% du 23 au 30. Mais comme ça, vous le savez déjà, puisque si j'attends le prochain vlog pour vous le montrer, vous perdez
Vous perdez plusieurs jours, du 23 au 30. Ouais, donc il faut que je vous montre absolument dans celui-ci. Puisqu'il restera plus que 3 jours après pour le Black Friday. Donc voilà, donc on fera ça. Là, je vais vous prendre, je vais vous montrer le fond, puisque je ne voulais pas remontrer hier, puisque j'ai filmé, je ne sais plus ce que j'ai fait hier. Bon, j'ai fait ma sieste, hein, évidemment, comme d'hab. Mais j'ai fait du montage aussi. Enfin, voilà, j'ai traînassé. J'ai attendu Kenzo rentre pour pouvoir assister. Enfin, tout ça. Quoi. Donc là, je vais vous prendre. On va monter. Je vais vous montrer le fond de Noyal. Je vais préparer mes vidéos. Après, je ferai mon teint en regardant je sais pas quoi. Hier soir, j'ai squatté le Disney Plus d'Emmy pour regarder Jungle Cruise. Cruise Jungle, je ne sais plus, avec The Rock, enfin, Dwayne Johnson et Emily Hunt. J'adore ces deux acteurs. Et je me suis bidonné toute la soirée. Voilà, j'ai adoré le film. Donc, merci Emmy de me filer tes logins. J'ai vu qu'il y avait plein de séries assez spécial qui allait sortir sur Disney+. Je le reprendrai peut-être, mais bon, comme je peux squatter celui d'Emmy, c'est pas important. Voilà, sinon... Oui, j'ai reçu un mail ce matin. Demande de collaboration pour une agence digitale de communication et social media à Bordeaux. Quand on voit les fautes d'orthographe qu'il y a dans le truc, ça inspire la confiance. Il n'y a pas de doute. Ils me font chier avec les mails là. Les mails et les demandes sur Insta, oh là là, mais ils sont chiants. Ils ont pas compris que j'ai besoin de personne, ça fait 10 ans que je fais ça, je suis pas populaire, je vois pas pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes montages quoi. J'adore faire ça en plus, ça me ferait chier de le faire par quelqu'un. Sinon, Shein, ça traîne, mais vraiment traîné. Mon colis a commencé à bouger que... Alors, attendez, je retourne dans mes mails pour avoir le suivi Shein directement. Ça a commencé à bouger que le 14 et nous sommes le 16. Donc, il a quitté la Chine il y a 2 jours. Le premier hein, colis. Donc, il y a encore la deuxième commande. Donc, je vais être emmerdée avec mes vidéos de la fin du mois. Celle de ce vendredi que j'ai programmée, je ne sais pas si je pourrais la tourner. Je ne sais pas si j'aurais reçu. Je voulais faire la palette indie, mais je ne sais pas si je l'aurais reçue. Elle m'a dit qu'elle sortait... Enfin, que le reveal, c'était jeudi, mais je ne sais toujours pas la date de sortie exacte. Hier, j'ai essayé de glaner des infos auprès d'Indie et d'Adeso, mais... C'est des vraies tombes. Elle me donnait plein d'indices. Mais voilà, comme je lui ai dit, mamie, elle a un cerveau ralenti, là. J'ai un chat dans la gorge. Et vendredi prochain, normalement, c'est censé être le All Shein. Le crash test Shiglam, j'ai dû le déplacer dans le calendrier de l'Avent parce que je ne pourrais pas tout vous faire la dernière semaine de novembre. J'ai dû supprimer d'autres vidéos. Donc voilà, le planning bouge encore. C'est pas parce que j'ai mon planning jusque fin janvier là que ça bouge plus. Hein. Il y a certainement d'autres vidéos qui vont se rajouter, que je vais devoir en supprimer d'autres. Enfin, voilà. Là, je vais vraiment garder celles que je peux pas faire à un autre moment, comme les favoris de l'année, le Big Project Pan, ma collection de palettes que je fais aussi tous les ans. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Le reste, ma foi, c'est des make-up, donc ça, je peux les faire encore après, quoi. Voilà, bref, bon, bah, je vais vous reprendre en haut, je vais aller préparer ce qu'il me faut, et voilà, comme ça, je vous montre le fond. Donc voilà, mon fond, alors j'arrêtais pas d'hésiter entre les loupiottes blanches, les loupiottes jaunes et tout, donc du coup je me suis dit, on va pas mettre les loupiottes derrière, tant pis. Donc là, c'est comme ça que ça donne, en gros, je vais vous montrer en détail. Donc j'ai fait mon petit sapin, c'est le même que l'année dernière, voilà, tout frikiki, sauf que j'ai mis l'étoile blanche,
J'ai mis les boules là que j'avais achetées chez Action, c'est une guirlande lumineuse, les petits trucs du calendrier d'Avent des Sens de l'année dernière, et quelques sucres d'orge, et puis mes flocons argentés. Je me suis basée sur la déco en fait pour de la part de cette, en partant de cette chaussette que vous verrez bientôt en vidéo. Là, c'est un nœud que j'ai récupéré sur une boîte de Ferrero Rocher que j'avais reçue. Mes flocons argentés comme ça. Ici, mes faux cadeaux et ça que j'avais eu dans le swap l'année dernière. J'ai customisé mon Bambi. Je lui ai collé une pince. C'est une pince pour les cheveux. Hein. Je lui ai collé pour lui faire un look de fête. Voilà. Mes boîtes que j'avais déjà l'année dernière. Ici, le long, j'ai mis mes flocons blancs. Une guirlande. Oh, celui-là, il s'est cassé la gueule. J'avais pas vu. Merde alors. Merde, 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 merde. Ça tient pas bien avec le patafix. J'avais pas vu qu'il était tombé, ce truc-là. C'est assez con. Alors ici, on a mon fameux Papa Noël que je mets tous les ans en bas, mais je me suis dit que cette année, j'allais le mettre en haut. Et le petit DIY que je vous ai montré dans le précédent vlog. Et voilà. Ici au-dessus, on a une carte de l'année dernière. Ma boule à neige que je mets normalement aussi en bas. J'ai mis les flocons le long. Un petit rayon que vous verrez bientôt. Ça, c'est un cadeau de Manon que j'avais eu dans un précédent swap. Le swap de l'année dernière. Ça, la boîte aussi d'ailleurs. J'ai quand même mis une couronne histoire de mon petit ange. Un ruban rouge. Une nouvelle guirlande. Et ben là, j'ai laissé notre photo. Et voilà. Ma petite fée d'hiver. Et la petite carte. Et voilà. Et j'aime beaucoup. Ça change un peu de l'année dernière que c'était tout blanc et bleu. Là, j'aime beaucoup ce que ça donne. Mais c'est dommage que ma truc là ne tient pas bien. Il va falloir que je trouve une solution. En plus, là, maintenant, elle est à l'envers. Oh. Bon, je vais refixer ça et préparer mes vidéos, faire mon teint et je vous reprends quand j'ai les colis, le colis inox. Alors, il est 10h38 et je viens de recevoir plein de choses, dont Nox qui est juste ici, mes derniers liners Glisten et un big colis d'un abonné, Nico. Donc, je vais déballer ça en vidéo, enfin le colis de Nico, voilà, parce que je suppose qu'il a envie de voir mes réactions et tout ça et tout ça. Et comme je vous disais que j'étais un peu embêtée avec mes vidéos de novembre, ça tombe bien. Alors je vais juste vous montrer les Glisten, je vous reprendrai après pour faire les swatchs une fois que j'aurai déballé l'autre colis. J'ai pris parce qu'ils étaient en promo en gros format, donc c'est des 10 grammes, ouais c'est ça. Ça fait à peu près comme les Suva, sauf que les Suva c'est 15 grammes je crois. J'ai pris le noir et le blanc tout simplement, voilà, parce que comme j'ai vraiment aimé la qualité, je me suis dit bah ceux-là seront très bien. J'ai pris le T-Rex. Ah, le truc est fermé. Donc le blanc c'est le milk et l'autre c'est cola je crois. Ouais c'est ça, le noir c'est cola. J'ai pris le T-Rex parce que voilà la couleur. J'ai pris en gros format aussi celui-là. Voilà la couleur quoi. C'est un vrai kaki. Un kaki foncé. Ensuite j'ai pris deux qui m'intéressaient et un d'Halloween qui était en promo. J'ai pris le Jasper. Qui a l'air d'être un Bordeaux. J'ai pris le Copper qui est un Copper. Voilà. Et j'ai pris ensuite un, c'est un split et c'est le Spooked, Spooked en franglais. C'est encore du Bordeaux et du bleu canard, mais magnifique. Donc je vous reprendrai après pour les swatchs. Là, j'ai trop envie de déballer le colis. Voilà. Et c'était dans un petit pochon comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer à Nox. C'est un gros colis. C'est un coffret. Ils m'ont envoyé un coffret. Un coffret cadeau. Et deux parfums pour le concours. J'aurais demandé si c'était possible. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, les concours, j'aime vous mettre des produits que j'aime. Des belles découvertes et tout ça. Et Nox, ça a été une des plus belles découvertes pour moi cette année. Donc je leur ai demandé si c'était possible et normalement ils sont à l'intérieur. Donc le coffret est super bien présenté, c'est canon. Donc je vous affiche le code et donc vous savez que le code promo c'est à partir du 23. Par contre j'ai oublié mon petit papier, donc je vais aller chercher mon petit papier. Par contre ils sont chiants, il y a des chiffres là.
Alors, je ne sais pas s'ils ont glissé les parfums dans la boîte, mais le coffret est magnifique. Franchement, à offrir, c'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc, le principe des coffrets, vous pouvez en plus choisir les parfums que vous voulez mettre à l'intérieur. Et ça, l'idée, elle est géniale. Moi, du coup, j'ai pris deux parfums différents pour les trois trucs. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Ah oui, ils les ont glissés à l'intérieur. Alors, attendez, hein, j'essaye de... Bon, il y a trois parfums, du coup. Mais il n'y en a que un, normalement, dedans. Donc, voilà comment ce qu'il est présenté. Vous avez le flacon vintage, donc on verra un peu mieux, en format 100 ml. Mais ça me paraît petit pour du 100 ml. On va regarder après. Un parfum en 30 ml et un Mikado. Donc, on va regarder ça de plus près. Je vais juste aller chercher mon petit parfum. Donc, la promo du Black Friday, c'est que mon code passe à 25% à la place de 10 du 23 du 11 au 30 du 11. Là, c'est le coffret Platinum, mais vous en avez d'autres, dont celui avec le diffuseur, là, le brumisateur, l'humidificateur que je vous ai montré la dernière fois. Il est à 29,60 celui-là, et du coup, avec les moins 25%, vous l'avez à 22,20 €. 22,20 €. Je parle trop vite. Le coffret Platinum est à 50 €, donc vous l'avez à 37,50 avec, avec le code. Donc, c'est vraiment génial. Alors, on va commencer par le Mikado, qui est emballé dans un petit truc comme ça. Une petite pochette rouge, très classieuse, très jolie. C'est super bien protégé chez eux, il n'y a jamais de problème. Vous avez 5 tiges en bois. Attendez, là, j'essaie de le sortir, parce qu'il est tellement bien emballé que c'est dur à sortir. Oh, c'est lourd. Donc, il est emballé, le socle est emballé dans du papier bulle. Donc, vous avez un truc, donc il est carré, marqué Nox d'un côté et Mikado de l'autre. Vous avez le petit truc là et les petites tiges qui sont blanches pour mettre à l'intérieur pour que ça diffuse dans la maison. Donc, déjà, rien que ça, c'est un très beau, une très belle idée de cadeau. Moi, j'ai pris le parfum, donc je me suis fait un coffret Mugler. Voilà, Thierry Mugler. Pour le Mikado, j'ai pris le... attendez. Le Aura. Voilà, parce que je l'ai pris en parfum aussi. J'en ai pris un autre. Et pour celui-là, je voulais le Aura parce que... On sort d'ici. Ils sont super bons. Voilà pour ça. Ensuite, alors ça, je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est, ah bah écoutez, c'est pour remplir. Vous en avez un autre pour remplir les gens. Waouh. Ça c'est génial, c'est un flacon en plastique avec le parfum. C'est noté dessus la référence. Parce qu'on voit qu'il y en a déjà dedans. Et là vous avez en plus un petit flacon pour le remplir à l'intérieur. Ben du coup. C'est quali, super quali. Alors, le brumisateur... Ah non, bah c'est pour celui-là, alors, pour le flacon. Voilà, j'ai rien dit. Vous avez le flacon en... Il est trop beau. Il est magnifique. C'est pour remplir ça, alors, le petit truc, là. Ça, c'est génial. Franchement, il est super beau. Alors, c'est très vintage. Ça s'appelle vintage. C'est vraiment très vintage. Je me souviens que quand j'étais gamine, je rêvais d'en avoir un pour faire comme Marilyn Monroe. Ah, c'est voilà. Et j'en avais pas. Et pour celui-là, j'ai pris bah, du coup le Aura aussi de Thierry Mugler. C'était pour celui-là. Donc, ça doit être un format 100 ml ici puisque vous l'avez. Oh, j'adore. J'ai pas pensé à noter les teintes. Les teintes. Les notes, donc je vous les affiche. Et ensuite, pour le parfum, alors c'est un 30 ml qui est à l'intérieur. Du coup, ils m'ont envoyé des 30 ml pour vous aussi. Dommage, j'aurais préféré que vous ayez des 50, mais bon, écoutez, hein, on va pas chipoter. Pour vous, j'ai pris le 458, donc qui est le dupe du Olympia de Paco Rabanne, qui est mon parfum préféré.
Donc, je voulais absolument vous le mettre à vous aussi. Et pour le petit flacon, j'ai pris le Angel Nova, qui est le 2480. Donc, on va sentir ça. Mais le aura, là, j'adore. Donc, je préférerais, moi, qu'ils m'envoient que des petits flacons comme ça plutôt que les grands. Ah, j'aime bien aussi. Mugler, on sait d'office que c'est lui. C'est un truc de fou, ses parfums, lui. Ah, j'adore. J'adore. Faudra, la prochaine fois, je leur demanderai que des 30 parce que ça sert à rien que j'ai que des 50 là en haut. Mais alors, j'adore. J'aime trop. Donc dans le coffret pour 50 euros qui passe à 37,50 du coup avec les 25%, vous avez donc la superbe boîte, franchement pour un cadeau c'est génial. Vous avez un parfum de 30 ml que vous pouvez choisir. Vous avez le flacon vintage avec en 100 ml, hein, avec le parfum de 100 ml, vous pouvez choisir un différent si vous voulez aussi. Et le Mikado. Et franchement je trouvais que le combo était magnifique. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est super quali et c'est super bien fait. Donc, voilà pour ça. Bah écoutez, c'est tout. Je vous reprends après, une fois que j'ai déballé le big colis. Alors, je vous montre juste le big colis. Le gars, il me l'a amené. Je dis, mais c'est pas vrai. Voilà. Nico, c'est un grand malade. Donc, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Alors, attendez, j'essaye de savoir de quel côté je vais ouvrir ici. Voilà. Comme ça, je prépare. Je vous retrouve après pour faire les swatchs des Glisten. Mais je vais d'abord filmer ça parce que j'ai envie de savoir. Et je suppose que Nico a envie de savoir que rien n'est cassé. Il avait très peur qu'il y ait de la casse. Parce qu'il avait demandé à mettre des papiers, des autocollants fragiles sur le truc. Et la femme à la poste, elle lui a dit « Oh, ça ne sert à rien. La machine, elle trie pareil. Hein. » Voilà. Donc, on se retrouve ben, tout de suite pour vous. Mais moi, d'abord, je déballe ça. Je suis en train de filmer le déballage du colis de Nico. Et ils sont en train de nettoyer les trottoirs, de débroussailler les mauvaises herbes, de gratter et tout. Donc, je dois attendre pour continuer. Chouette! Donc, ben voilà, j'attends. Bon, il est midi 16. Je viens de finir de déballer le colis de Nico. Encore merci, Nico. Donc là, j'ai la dalle. J'ai fait mon teint pour rien parce que j'ai plus le courage d'aller filmer. Je suis fatiguée. Donc, je vais manger et faire ma sieste. Mais on va faire vite fait les swatchs des glitters, des wet liners de chez Glisten. Alors, je vais commencer par le blanc, qui est donc le Milk. C'est du blanc, donc c'est pas non plus un truc de foufou, hein, mais pour voir l'opacité, voilà, tout simplement. Je commence par le blanc, parce que sinon, après, je vais faire des taches dedans avec, avec un autre pinceau, avec une autre couleur. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Niveau opacité, ils sont vraiment top, c'est liner, là. J'adore. Alors, j'essuie mon pinceau et on va passer au copper. On finira par le noir, hein, bien évidemment. Oh, il est beau. Sublime. Je vais vous les montrer de plus près après. Je suis épuisée là, je suis crevée. Je... Émotionnellement parlant, c'était beaucoup. Bon, encore des petites choses que j'ai hâte de tester bientôt en vidéo. Hein. On va passer au Jasper. Jasper. Je sais pas. Oh, il a l'air mis. Oh, ça fait plus framboise hein, une fois swatché. On va voir en séchant, on va peut-être reprendre une couleur un peu plus foncée. Mais ouais, il fait clairement framboise.
Par contre, ils sont tellement pigmentés qu'ils tâchent les pinceaux. Hein. Voilà, je vous le dis. On va passer au split qui est le Spooked. Alors, on va commencer par la teinte un peu bordeaux aussi, hein, comme mon pinceau est déjà taché. Et puis comme ça, il sera juste à côté du Jasper et on verra si c'est la même teinte ou pas. Ça m'a l'air très similaire. Hein. On va voir en séchant. On va passer à la teinte bleue, une espèce de bleu canard. Hein. Je sens que cette teinte va bien me plaire. Très jolie. On va attendre qu'il sèche. On va passer à celui qui va être totalement mon chouchou. Je le sens, le T-Rex. Dès que j'ai vu celui-là, j'ai dit « Oh, je le veux. » C'est un nouveau. C'est pour ça que j'ai commandé... avant le Black Friday, avec le Black Friday, je vais essayer de me refaire une palette. Mais bah, il fait moins kaki une fois swatché. Hein. On va voir en séchant. Donc j'ai commandé plusieurs. Le split était en promo et le duo du noir et du blanc était en promo aussi. Donc je me suis dit, enfin du noir et du blanc. J'ai le noir dans la main, je vous montre le kaki. Moi. Et donc on passe au noir. Voilà, je vais aller mettre chauffer ma petite assiette de poisson. Et comme ça, ça a bien le temps de sécher. Et je viens vous les remontrer une fois qu'ils sont bien secs pour voir la teinte réelle, hein, parce qu'il faut attendre que ça sèche. Et sur la main, ça sèche moins vite que sur la paupière, puisqu'on prend plus d'eau avec ce genre de pinceau qu'avec un pinceau liner. Voilà, donc j'arrive, je vais mettre chauffer mon assiette parce que j'ai la dalle. Voilà, ça chauffe et je viens vous montrer. Donc ici, ouais, ils sont assez ressemblants hein, quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est métallisé et l'autre est mat. Le jasper est métallisé. Ouais, voilà, c'est ça l'histoire. Le copper est super métallisé et l'autre devient vraiment kaki en séchant. J'adore, je vais l'adorer celui-là. J'ai bien fait de le prendre en grand, je pense qu'il va beaucoup me servir. Donc là, je vais remettre le biberon droit au chichou parce qu'ils n'arrivent plus à boire. Ils m'ont encore foutu à la vache, t'en foutes. Je vais leur remettre un peu de foin aussi parce qu'ils n'ont plus de graines, chérie, ils vont me chercher tantôt. Et voilà, j'ai le chat qui me regarde comme ça. oui, en même temps, je chauffe du poisson. Donc, il va m'aimer aujourd'hui tant que je mange. Donc, bah, écoutez, je vous ai montré les parfums Nox. Je vous ai montré mon fond. Je vous ai montré le colis fermé de Nico. Pour le voir ce qu'il y avait dedans, faut regarder en barre d'infos, je vous ai mis la vidéo. Et voilà, on se retrouve demain. Moi du coup j'ai fait mon teint pour rien parce que je vous dis j'ai absolument plus le courage d'aller filmer. En plus j'ai plus de batterie, donc là je vais manger, aller à la sieste, dérusher, charger ma batterie, je ferai le montage après la sieste. Et voilà. Donc là il me reste mes colis Shein à recevoir, les deux. Et le colis avec la palette d'Indie, je sais pas du tout quand. Et je crois que c'est tout. Ah, et mon Meron aussi, un liner cake aussi noir Meron. J'avais dit que je le mettrais dans les roues des concours, mais finalement, je pense que je vais le garder parce que si je veux faire des plus grandes surfaces, il sera mieux puisque c'est un beaucoup plus gros truc. Je verrai bien. Je verrai bien. Puis comme ça, je le teste aussi. Voir si ça vaut le coup parce qu'il est vraiment pas cher non plus. Donc si ça vaut plus le coup que les Glisten ou pas, je pense que je comparerai les deux. Voilà, bon, écoutez, moi je vais m'occuper des chichous, manger, aller dormir, recharger mon appareil, et de toute façon, on suit toujours. Alors, il est 10h16, et j'ai tourné un make-up pour une palette 3 looks que vous aurez en décembre, voilà. Essayez de deviner la palette, vous voyez pas avec mes carreaux, hein. Surprise. Voilà. Donc, bah aujourd'hui, il ne va rien se passer de spécial, donc je ne vais pas vous prendre longtemps. En même temps, le vlog, il dure déjà 2 heures. Enfin, non, avec mon sens de l'exagération.
Là, je suis complètement gélifiée, mais alors totalement. J'ai trop froid. J'ai une mèche de cheveux qui est cassée et ça me pompe. J'ai dormi avec un mauvais élastique, ça a cassé une mèche. Elle est pas contente, la fifi. Donc, hier soir, les garçons ont commandé, enfin, j'ai commandé pour les garçons ce qu'ils voulaient sur Amazon. Donc, Nico, il te remercie tous les trois, mes trois messieurs. Et je te montrerai en vlog quand je les aurai reçus. Sam reçoit, lui, vendredi. Donc, si je le reçois pas trop tard, je pourrai te le montrer dans ce vlog-ci. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Et Enzo, c'est lundi. Voilà. Comme ça, tu verras ce qu'ils ont commandé avec leur bon. Et monsieur, il attend. Il a regardé pour un pull, mais le pull était 17 €. Mais les frais de livraison étaient à 21. Donc, je lui ai dit, écoute, peut-être pas, non. Donc, il regardera ça ce week-end tranquille, je pense. Quand il sera tranquille, tout simplement. Voilà, là je vais tourner une deuxième vidéo du calendrier de l'Avent, hein, comme d'hab. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Alors attendez, je retourne mon essuie parce qu'il est dégueulasse. Voilà. Comme ça, il est tout beau, tout propre pour demain. Demain, je tourne le concours. Et ce soir, donc, il y a la vidéo du colis de Nico. Qui sort, je l'ai programmé pour ce soir pour moi, hein. Il ne le sait pas, il croit que ça sera dans le vlog dimanche, aujourd'hui pour vous, donc j'espère qu'il sera content de voir que je lui ai dédié une vidéo. Après, c'est la moindre des choses, je trouve, quand on reçoit ce genre de colis. Voilà. Donc, j'ai toujours mes commandes Shein qui sont bloquées, et c'est la dernière vidéo de novembre qui est prévue, c'est le haul. Donc, je suis carrément emmerdée parce que si ça n'arrive pas avant que le calendrier commence, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la mettre. Voilà, il faudra que je déplace, que j'annule d'autres vidéos prévues dans le calendrier. Puisque c'est Black Friday, donc je ne peux pas vous le mettre en janvier. Donc, ça m'énerve. Bref. Voilà, c'est tout. J'attends que mes ventes se valident sur Vinted aussi pour passer une commande Glisten encore. Faut que j'arrête. Après, je me calme avec Glisten. J'ai assez de liner. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que j'ai rien de spécial à vous dire. Il va rien se passer de spécial non plus. Là, je vais faire ma vidéo, attendre le facteur et j'irai faire mon chili pour ce soir. Comme ça, il a bien le temps de mijoter. Et voilà. Et puis après, ça sera sieste. Manger et sieste. C'est très bien comme ça. Allez, ensuite, j'ai le jour. Alors, il est 9h06, je suis en train de glander, tout simplement. Enfin, je me suis déjà coiffée, j'ai fait mes soins, brossé mes dents. Là, je vais faire mon teint. D'ailleurs, je vais préparer ce qu'il me faut avec vous, voilà. Je vais faire mon teint pour aller filmer un deuxième make-up pour une palette 3 looks et le concours. Aujourd'hui, je tourne le concours. J'ai plus de vitamines, les gens. Il va falloir que j'aille me refaire un café. Attendez, je vois la petite gorgée qui reste. J'ai affreusement mal l'estomac aujourd'hui. C'est chiant. Et j'ai toujours mon petit doigt, enfin mon index, le bout de mon index engourdi. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai enlevé mon vernis, j'ai rien remis et tout. Ça fait 3 jours, j'ai mis des soins. Et c'est toujours pareil. Donc je ne sais pas trop. Voilà. Donc ouais, bah là, il ne va rien se passer. Se passer d'exceptionnel encore aujourd'hui. Le reste du vlog va être chiant à mourir. Là, je vais donc préparer mon teint pour filmer. J'ai déjà modifié ma barre d'infos avec les produits que j'ai changés. J'ai changé quelques petites choses dans ma rotation, la dernière que je vous ai présentée. La base. J'ai pris la base NYX pour faire mes vidéos de décembre. J'ai pris mon petit bronzer Nabla que j'adore. Le blush KVD que j'adore. Et un autre blush que j'ai eu dans le swap, donc je ne vous le montre pas maintenant. Ah, et le XX en highlighter de chez Révolution. Voilà. Et toujours ma palette KVD, hein, bien sûr. Voilà. Je n'ai rien changé d'autre. De toute façon, le reste, en principe, ça ne change pas trop. Donc voilà, là j'ai tout qui est prêt. Il faut que je fasse mes sourcils.
mes petits pinceaux. Et voilà, bah écoutez, moi je vais faire ça, je vais achever, hier je regardais faites entrer la cuisine, donc je vais achever ça en faisant mon teint. Voilà, il faut que je range le carton de Nico qui est là. Ouais, j'ai rien de spécial à vous dire. J'attends toujours mes colis Shein qui ne bougent absolument pas. Donc je vais vraiment être emmerdée pour les vidéos de fin novembre, hein, puisqu'il me manque que le haul Shein. Le crash test Shiglam, je l'ai prévu du coup dans le calendrier de l'avant parce que je ne l'aurai pas avant. Je ne saurais pas le faire avant. La vidéo sur la palette Indie, mais bon, les deux, ça sera quand je les aurai reçus, je peux pas faire autrement. Donc voilà pour ça, je sais pas trop comment je vais jongler, je vais devoir supprimer des vidéos du calendrier, je sais pas trop lesquelles supprimer, enfin, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça, hein. Je travaille pas pour la poste, j'ai pas le choix. Donc je vais faire ça, si jamais il se passerait quelque chose, je vous reprends, mais je vois pas ce qui pourrait se passer, hein. Là je vais filmer. Faire une sieste comme d'hab, hein, comme tous les jours. Je crois que j'ai l'estomac défoncé à cause du chili hier. J'ai mis un peu trop d'épices chili, mais c'était bien bon. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai faim, je vais me refaire des vitamines. Je suis gelée encore une fois. Faut que j'aspire la cage des chichous aujourd'hui, que je lave mes pinceaux aussi parce que. Force de se maquiller tous les jours, ben les pinceaux, ils se nettoient pas tout seuls. Ils devraient inventer les pinceaux au nettoyant, moi je dis. Ça serait cool. Vraiment très cool. Je crois que j'avais vraiment rien d'autre à vous dire. Hein. Je réfléchis, mais je vais recevoir la palette d'Indie. Ce soir, c'est le reveal sur sa chaîne. Donc normalement, elle publie à 5h30, 6h moins le quart. 6h moins le quart, je crois. Donc j'ai hâte, j'attends. Je fais qu'attendre. Il faut que j'envoie un message à Deso aussi pour avoir un peu plus d'infos pour préparer ma vidéo. On verra s'il me les donne ou pas, je ne sais pas. Voilà, ça me fait rire parce que on n'arrête pas de causer avec Indy et à Deso du coup. Là, j'ai fait une story hier quand elle a dévoilé l'univers de sa palette. En disant que j'avais eu un orgasme make-up-esque. Et Adeso m'a répondu, tu mérites le meilleur... c'est le meilleur commentaire, quoi. Mais ils n'ont pas osé la repartager, hein. Enfin, bref. Bon. J'attends aussi, j'ai un colis à aller poster de Vinted demain. J'aimerais bien refaire une autre vente, d'ailleurs. On verra bien. Et voilà. Bon, bah écoutez, s'il y a quelque chose, je vous reprends. Sinon, on switch déjà deux jours. Je vous dis, la fin du vlog va être extrêmement chiante, mais j'ai absolument rien de spécial à vous montrer. Donc, voilà. Et coucou, Georges. Wesh. Ouais, mais non. Bah quoi? Bah, tu vois. Ah, que bonjour. Bon, on te voit même pas, là. Ah, que bonjour. Qu'est-ce qu'il est con. Donc, Nico, Georges a reçu sa commande Amazon. Ah, mais je suis trop grand aussi. Sa commande Amazon qu'il a commandé avec ta carte cadeau, donc comme il est rentré, il va te montrer. Il s'est pris un lot de 3 bagues. Elles sont trop stylées. Attendez, je prends la page. Comme ça, je vous donne les infos. C'est 3 anneaux en acier inoxydable de 8 mm en fibre de carbone. La montre. Attends, je te laisse te la montrer. Mais qu'est-ce qu'on dit à Nico? Ah, que merci. Bah, mets-toi devant qu'on voit quand même. Que merci. Merci Nico. Merci Nico. Oh, putain, c'est malheureux qu'il faut tout dire pour dire merci. Bah quoi, c'est bon, il sait que c'est pour lui. Donc franchement, c'était super bien emballé. En plus, ils étaient emballés dans un petit papier plastique. J'ai une mèche qui me kikine, là. Dans un petit papier plastique comme ça. Il y en a une des trois, celle du milieu, qui était emballée dans un tout petit papier plastique pour pas qu'elle se griffe. Dans le pochon et encore une enveloppe en plastique autour. Donc franchement, c'était joli. Et voilà les 3 bagues. Je kiffe celle du milieu. Donc il y en a une toute lisse noire. Il y en a une avec la bande bleue au milieu et à l'intérieur. C'est vraiment celle qu'il voulait. Et une avec un peu ciselée comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien voir. Un peu en dentelle en vrai. Non, c'est pas de la dentelle. C'est plus de la mosaïque, on dirait. C'est...
C'est, franchement, c'est très joli. Et le chien qui arrête pas de gueuler. Mets-en une et tu montres ce que ça donne. C'est pas... J'ai des gros doigts. Voilà. C'est vrai que mes doigts sont énormes quand même. Donc voilà, bah, va vite fermer la porte. Il est content. En plus, on l'a eu. Je viens de le recevoir là, il y a une demi-heure. Alors que normalement, il devait l'avoir que demain. Enzo, c'est lundi, donc je te montrerai dans le prochain vlog. Hein. Et le chien arrête pas de gueuler. Ah, c'est peut-être que la voisine se barre, ça. Qui nous a encore piqué la place juste devant la porte. Et voilà, donc il est content. Hein, t'es content? Ouais. Et bon, après, le geste était adorable, hein, de la part de Nico. En même temps, c'est un des seuls à nous faire des cadeaux alors qu'il n'est même pas de la famille. J'avoue. Donc voilà, j'ai repris juste pour ça. Range-les bien dans le pochon, celles que tu n'utilises pas. Par contre, évite d'aller à la douche et tout ça avec. Hein, pas les... Jure ! Pas les abîmer. Et voilà, du coup, ben, on switch le jour. Et dès que j'aurai reçu celui d'Enzo et que monsieur se sera décidé à regarder, je te montrerai aussi dans les prochains blocs. Plus ! À plus ! Alors il est 7h. Et Jean se prépare pour aller à l'école. Il vient d'enfiler son pyjama. La logique des choses. Ils ont une journée. Ma montre. Recule un peu pour montrer. Mets ta capuche plus en avant, on voit pas bien la tête. Attends. Voilà. C'est un Bambi. Il va aller à l'école comme ça quand même. Voilà. Ils ont une journée pyjama. École en pyjama. Je sais pas d'où c'est venu cette histoire. Hein. Nous, quand moi j'étais à l'école, il n'y avait pas. Ça m'aurait arrangé, hein, puisque je passe ma vie en pyjama, mais il n'y avait pas. Donc voilà, il va aller se préparer doucement. Et j'en ai marre, j'ai tous mes cheveux qui se cassent. Moi, je vous reprends après pour vous dire au revoir, vous donner le planning et tout ça. Voilà, allez, à tout à l'heure. A plus. Alors, il est 8h04 et j'ai les carreaux dégueulasses. Vous commencez à avoir l'habitude de cette phrase, je crois. Voilà, là j'attends l'appel d'Emmy pour faire mon teint avec elle. J'ai toujours pas viré le carton de Nico. Nico, tu m'encombres. Je vais faire mon teint tant que je serai en appel avec Emmy. Et voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous donner le programme de la semaine prochaine qui va être très vite fait. Mercredi, vous avez le challenge avec les filles, donc cette fois-ci c'est sur les héroïnes du film Eternals. Et il y a la palette Indie qui doit sortir quand je l'aurai reçu, et le All She In quand je l'aurai reçu. Donc là, aujourd'hui je reçois la première commande, mais je dois attendre l'autre maintenant, donc j'espère qu'elle traînera moins. De toute façon, je vous la mettrai quand je l'aurai, et que j'aurai tourné et monté. Peut-être pas le jour même, mais sûrement le lendemain. Voilà, tout simplement. Et puis le vlog dimanche, quoi, ça ne change pas. Donc pour l'instant, il n'y a que mercredi et dimanche qui sont des vidéos sûres. Les autres, ça sera quand je les aurai. Hein. Avec un peu de chance, j'aurai peut-être la palette Indie aujourd'hui et je pourrai la faire pour demain ou pour lundi. On verra. Elle m'a dit normalement samedi ou lundi, ils les ont envoyés hier. Maintenant, comme moi, je suis en Belgique, je pense que ça sera plus mardi ou mercredi. Enfin, mardi, je pense. Normalement, il faut 24 heures pour recevoir un jour ou deux, quoi. Donc, demain, j'ai des gros doutes. Aujourd'hui, ça m'étonnerait. Demain, j'ai des gros doutes parce que le facteur, le samedi, il n'aime pas trop travailler. Même qu'il livre les colis le samedi, maintenant. Avant, il ne le faisait pas en Belgique. Hein. Donc, je pense que je l'aurai que lundi. On verra bien. De toute façon, je la tourne, je la poste le jour même, probablement. Et voilà, et le All She In. Du coup, le crash test des produits Shiglam, je vous l'ai programmé pour le 6 décembre. J'ai changé une vidéo, du coup, hein, le jour de Saint-Nicolas. Voilà. Ouais, j'avais rien d'autre à vous dire. Donc, Georges est parti en pyjama à l'école. Ça me faisait drôle de lui dire, mets ton pyjama et va à l'école. J'ai rigolé pendant une demi-heure toute seule à cause de ça. Hein. Voilà, il me faut pas grand-chose parfois. Et donc, c'est la dernière semaine. Ensuite, on attaque le calendrier de l'Avent. J'ai trop hâte. J'ai déjà ma première semaine de fête, hormis le vlog, hein, puisque ça sera la semaine même. Donc, je vais terminer normalement une vidéo de la semaine d'après. Donc,
ça avance. Je suis contente. J'aimerais bien garder mon avance d'une semaine et demie d'avance. Comme ça, si jamais j'ai un empêchement, ben, je sais que j'ai mon avance et que je ne dois pas trop me stresser non plus. Je voulais vous montrer les chichous, mais ils dorment. Donc, ce sera pour dans le prochain vlog. Hier, ils ont tellement foutu le bordel que au-dessus, il y a la caisse de foin et la caisse que je me sers pour vider leur cage, le foin sale, les graines, le reste de la gamelle et tout ça. Tout était par terre hier. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu la nuit dans la cage, mais à mon avis, c'était sportif. Là, ça roupit. Hier, Gougou m'a fait plein de bisous et de gâtés. J'étais contente. Il est toujours un peu plus distant quand on les sort. Maintenant, on essaye de les sortir qu'un jour sur deux. Parce qu'un jour sur deux, en fait, quand on les sort, enfin, un soir sur deux, ils restent planqués sur leur mur d'escalade, là, qu'on a fabriqué, derrière le canapé, et ils bougent pas. Donc, maintenant, on les fait sortir un jour sur deux. Et bah, au moins, ils courent un peu, pas longtemps, hein, parce qu'ils sont vite fatigués. C'est des animaux qui se fatiguent très vite. Mais du coup, au moins, on les voit un peu jouer, ils viennent jouer avec nous et tout ça, quoi. Parce que sinon, c'est un peu chiant de savoir qu'ils étaient là dehors, derrière, mais qu'ils faisaient corroupir. Donc, hier, je les ai sortis assez tôt pour pouvoir aspirer la cage. Bon, quand je la fais la journée, ils sont dedans, hein, ils ont l'habitude de... Luna a un peu peur. Quoique non, la dernière fois, elle a attaqué le tuyau d'aspirateur. Luna, quoi. voilà. Ouais, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Là, je vais attendre mon colis Shein. Enfin, déjà, j'attends l'appel d'Emmy pour faire mon teint en papotant avec elle. Ensuite, je vais attendre mon colis. Parce qu'on ne sait jamais si j'aurai la palette Indie. Ben, comme ça, je suis prête pour la filmer direct. Sinon, j'irai tourner le dernier make-up de une palette 3 looks là, que je vous ai prévu pour le calendrier de l'Avent. Et voilà. J'ai trop hâte. Hier, il y a eu le reveal de la palette d'Indy. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle lui ressemble, cette palette. J'ai trop hâte. Et hier soir, elle a fait un live sur Insta. Donc, on a passé la soirée... J'ai passé la soirée à écouter son live. Voilà. Et comme je lui disais, ça, c'est beau de voir son évolution depuis qu'elle a gagné les NYX Face Awards, quoi. Le chemin qu'elle a fait jusque-là. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de l'avoir dans les mains. Bon, j'ai pas tout compris avec son histoire d'immersion, là, de comment est-ce qu'elle dit aventure immersive, escape game, quoi. Mais au départ, je pensais que ce serait un jeu en ligne. Puis elle me dit non, il n'y a pas de jeu en ligne. Donc en fait, je sais pas comment est-ce qu'elle va tourner ça. Voilà, je verrai quand j'aurai la palette. Je suppose que tout sera expliqué. Et voilà. Bon, bah écoutez, je me masse le genou. Hein, je suis en train de me caresser le genou parce que j'ai mal à mon genou, c'est affreux. L'hiver, là, avec l'arthrose, c'est pas super chouette. Bah voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais arrêter de dire ben voilà et que j'ai rien à vous dire. Hein. Il va rien se passer aujourd'hui, sauf si jamais vraiment je recevrai le colis Amazon d'Enzo pour montrer à Nico. Là, je vous reprendrai à ce moment-là, sinon, bah, d'ailleurs, je vous l'inclus maintenant si jamais il l'a reçu. Donc, Nico, attends, je dézoome. Je viens de recevoir le colis d'Enzo, donc là il sera pas avec puisque lui il est pas prêt de se lever, hein, là il est 10h, tout pile. Donc oui, petite laps de temps dans le futur et on revient dans le passé juste après pour clôturer. Donc je vous montre comment c'est emballé, donc voilà, vous voyez c'est la même chose, c'est la marque Lolias. Donc là c'est emballé dans un pochon et je vais te montrer du coup ce qu'il a pris, c'est cool comme ça tu auras tout dans le vlog. Bon, il manque que monsieur, mais monsieur il a pas encore regardé. Donc voilà, il y a le petit pochon. Et alors lui, il s'est pris un ensemble bracelet et collier à partager avec sa copine. Donc voilà, c'est le yin et le yang, un noir, un blanc. Donc je suppose qu'il a pris les noirs pour lui et les blancs pour sa copine. Donc je ne vais pas les déballer comme ça, il voit emballé. Donc là, c'est la chaîne et les deux médaillons, donc le noir et le blanc. Et les deux bracelets en tissu brodé comme ça, style crochet. Pareil, noir et blanc. Et ils sont franchement très jolis. Ouais. Donc voilà.
Il va être super content de voir qu'il les a déjà eus, puisque normalement c'était prévu que lundi. Donc il va être heureux comme tout. Et donc je te dis merci de sa part, parce que je sais qu'il va être ravi et que sa copine... Tu auras fait deux heureux avec, avec une même carte cadeau, voilà. Oui, il fallait qu'il pense à sa petite chérie. Hein. Mais j'ai trouvé ça trop mignon qu'il y pense, justement. Donc voilà, merci pour les garçons et monsieur aussi, mais lui ça sera plus tard, tu verras quand il sera décidé, hein, parce que lui il est jamais pressé de rien. Et voilà, donc on peut repasser dans le passé pour dire au revoir. Et si c'est pas le cas, bah, du coup je peux vous dire au revoir. Et de toute façon, on se retrouve le plus vite possible avec les vidéos prévues, sinon au pire c'est mercredi avec le challenge. Et après, on attaque le calendrier d'avant. Oh, j'ai trop hâte. Hier, j'ai tourné le concours. Oh, j'espère que le lot vous plaira. En tout cas, j'ai vraiment mis beaucoup de cœur à le faire, comme d'habitude. Donc, j'espère qu'il vous plaira autant. Enfin, qu'ils vous plairont, puisqu'il y en a deux, comme d'hab. Enfin, voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.